Qu'est-ce que le troisième temple ? Le temple est un point de connexion spirituelle entre Dieu et les humains. C'est un point de rencontre entre l'infini et le fini, un face-à-face qui s'incarne dans l'endroit où se trouve la pierre fondatrice du monde, située sur le mont du Temple à Jérusalem. Le lieu où, selon la tradition, la création du monde a commencé. C'est une connexion à nos racines. C'est une connexion de vie qui vise à combler la carence, les manques de notre monde d'aujourd'hui. Le temple est un lieu où Dieu se dévoile. Par conséquent, c'est une source de sainteté et de bonheur qui se répand dans le monde entier. À chaque être humain, une quête spirituelle crée le désir de se connecter avec l'Éternel, le Créateur de l'univers. Le temple est une source d'abondance spirituelle et matérielle, une connexion entre Dieu, la nature et l'homme. L'impact sur l'humanité se reflétera par la volonté de chercher, de promouvoir et d'instaurer la paix dans le monde, à travers la diminution des guerres jusqu'à leur disparition, ce qui conduira à la paix mondiale et engendrera l'amour gratuit, la fraternité et la justice sociale. L'édifice du temple ramènera l'homme et la nature au point d'équilibre. Cela aura un impact écologique et bien au-delà, une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Par conséquent, le temple sera construit par l'humanité. Le peuple d'Israël est une nation universelle. Le rôle essentiel est de connecter le monde à la présence divine. Après 2000 ans d'exil, le peuple d'Israël retourne sur sa terre pour accomplir son destin au profit de toute l'humanité. Le troisième temple sera un lieu de prière pour toutes les nations. C'est pour cela que la construction du troisième temple est essentiellement basée sur la joie de bien vivre tous ensemble. C'est un lieu d'élévation spirituelle, un lieu d'espoir. Ma maison de prière s'appellera ainsi par toutes les nations.